Cet objet qui est présenté dans le parcours de longue durée du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, c'est ce qu'on appelle la cage de Pelle. Pelle, c'est Pierre Fleureau, résistant communiste à partir de 1941, au moment où les Allemands se retournent contre leurs alliés russes et attaquent l'URSS. Cet objet fait partie des collections du musée de la Résistance depuis 1992 et il a été donné au musée par le fils de Pierre Fleureau. C'est un objet assez exceptionnel puisque c'est l'un des seuls que nous ayons, en tout cas dans les collections du musée, qui puisse refléter l'idée de cachette et du besoin qu'ont les résistants de se dissimuler, de se cacher pour éviter les arrestations. Et grâce à cet objet, Pierre Fleureau a réussi à s'échapper et à ne pas se faire arrêter à de nombreuses reprises. C'est un meuble à charbon, donc avec un système de caissons à l'intérieur dans lequel Pierre Fleureau a intégré un petit hamac dans lequel il se glissait et ensuite le meuble était repoussé contre le mur avec un système de roulettes. Si bien que lorsque les Allemands sont venus à plusieurs reprises chez lui pour l'arrêter, en ouvrant le meuble, il ne découvrait que du charbon. L'intérêt aussi de cet objet, c'est qu'il est directement accessible par le visiteur. Il n'est pas derrière une vitrine, et donc le visiteur peut le toucher, peut tourner autour, peut regarder avec un effet de miroir l'aménagement que Pierre Fleureau a fait à l'intérieur de ce meuble à charbon. C'est un objet qui marche très bien, notamment avec le public scolaire, parce que finalement, il permet de concrétiser cette idée de clandestinité, de pouvoir imaginer quel était le quotidien des résistants, à savoir la perte de leur identité, c'est-à-dire de prendre un nom de clandestinité. Pierre Fleureau est devenu Pelle, mais également le danger de cette période d'aller à l'encontre des autorités de Vichy et des autorités allemandes. La période de clandestinité pour les résistants, et notamment celle de Pierre Fleureau, elle a débuté en mai 41 lorsqu'il rentre dans la résistance et a duré jusqu'en 1944 et bien sûr la libération de l'Isère et de Grenoble.